Ah, il fait jour, je vais enfin pouvoir aller à l'école pour rejoindre mes copines. Et ben, pas que mes copines, hein, puisqu'il y a aussi Mathieu, c'est un garçon. Bon, allez, descends en bas, c'est voir papa. Salut papa! Go, ma chérie Dory, comment ça va aujourd'hui? T'as bien dormi? Ouais, j'ai très bien dormi, et toi papa? Très bien. Tiens, prends ta pomme en face là, c'est pour toi. Ah, merci. Dis Et voir pour marcher papa! exprès. Qu'est-ce qu'il y Oui! a? J'ai un truc à te demander, en fait, avec Estella et avec Mathieu, bah on voulait aller à la plage après l'école. Ah non, non, non. Non, non, ça je. Non, je t'interdis en fait là. Non, non. T'iras pas là-bas. Mais pourquoi? Parce que t'es allergique à la peau et si tu vas dans l'eau, tu vas avoir des allergies. Donc moi, je ne t'interdis, j'ai pas envie d'aller aux urgences. C'est non, d'accord? Et en plus, tu sais pas nager. Donc non, non. Moi, je refuse. Même si je Non. reste genre je vais juste un peu dans l'eau pour voir, ça se fait, je suis pas malade. T'as Non? jamais essayé? Il y a pas à négocier en fait. Tu négocies pas. C'est non, point en fait. T'as pas à négocier des choses. Je sais pas, va faire un bowling, va faire un ciné, mais non, non. Mais t'es malade, toi. J'ai pas d'aller aux urgences, j'ai pas que ça à faire de ma journée, moi. J'ai déjà vu tous les films du cinéma. Bah t'en vois des autres, je sais pas, tu regardes des trucs moins de 18 ans. Non, je déconne, t'as pas le droit non plus. Non, mais t'es sûr de regarder des choses, je sais pas, tu te fais un Netflix avec eux là, et c'est bon, tu m'énerves pas. Mange ta pomme là, Ok, et c'est bon. d'accord. Bon, on fera autre chose alors, hein. Tant pis, hein. Bien. Je retrouverai T'as une autre intérêt, hein. idée. Ok, bah peut-être qu'on ira au parc, on verra bien. Ok, Ouais. bon, je vais à l'école parce que sinon je vais être en retard. Ok, c'est À plus ça. tard, Travaille bien papa. surtout, hein. Yes. Salut. Ciao, ciao. À ta ce soir. Oh là là, ce cours, il était long. Ouais, c'était trop chiant. En plus, j'ai rien écouté à ce que le prof il a dit. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Bon, du coup, est-ce que cet après-midi tu viens avec nous à la plage? T'as demandé à ton père? Ouais, bah à propos de ça, ce serait peut-être pas mal de trouver une autre idée parce que bah j'ai pas le droit d'aller à la plage en fait, il veut pas mon papa. Mais pourquoi il veut pas? Parce qu'il me dit que j'ai une maladie et qu'il faut pas que j'aille dans l'eau et qu'en plus je sais pas nager. Mais c'est n'importe quoi, la plage ça donne pas des maladies, tu viendras à côté de nous, on va te tenir comme ça, tu vas pas couler. Ouais, mais c'est pas, t'imagines, c'est. Voilà quoi, il m'a dit que non, donc t'es sûr que tu veux pas Mais faire autre chose? non! Non, arrête, il va rien t'arriver, l'eau de la mer c'est très bien, ça soigne même les blessures, il va rien t'arriver, je te jure. Tu viens avec nous à la plage, allez, s'il te plaît. C'est vrai que ça soigne vraiment les blessures. Oui, ça soigne les blessures. Des fois, quand on se coupe un peu, bah après la plage, ça pique et après, ça soigne plus vite. Oh, mais ça se fait, ça va me soigner en fait. Ah ben oui! C'est vrai! Peut-être ça va soigner ta maladie? Bah ouais, et comme ça j'aurai plus de maladies, je pourrai aller à la place quand je veux. Oui! Bah alors tu viens, c'est bon? Vas-y, mais il est passé où Mathieu sinon? Ah, je sais pas. Ah, je crois que je le vois là-bas. Parti aux toilettes ou quoi? Mathieu! Oh là là, Mathieu, qu'est-ce qu'il Il est fait? toujours aussi percé, Mathieu, hein. Allez, on va à la Ouais. plage. Comme d'habitude, allez, on y va. Et bien dis donc, on passe une belle après-midi à cette magnifique plage. Ah là ouais, on bronze trop bien, c'est trop bien. Bon, on va un peu se baigner là. Vas-y, moi je veux me soigner. Ça va te soigner complètement, ça va être trop bien. Allez, viens ici, Et avant ça qu'il passe nuit. pique? Ou pas quand Non, tu rentres ça dans l'eau? pique Ça pas, pique c'est pas? trop bien. Viens, Ok. allez, suis-moi. Vas-y, ok. C'est pas Qu'est-ce que tu fais? la... Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de l'eau! Sors de l'eau! Attends. Sors de l'eau! C'est trop bizarre. C'est normal que t'arrives à respirer dans l'eau? Mais non, personne respire dans l'eau! T'es sûr? Parce que j'ai respiré sous l'eau. C'est pas vrai! Dur, j'ai respiré sous l'eau. Par les narines. C'est rentré par la narine et ils avaient pas besoin de respirer normal. Mais c'est pas possible, comment t'as fait? Mais je sais pas, c'est trop bizarre. Et j'ai pas l'impression d'avoir des allergies là. Hein. Tout va bien. Ah mais oh là là, et t'es pas malade? Tu te sens bien? T'as rien qui gratte? Ben justement, je me sens encore mieux quand je suis dans l'eau que quand je suis pas dans l'eau. Tu te sens comme chez toi? Ouais, regarde, tu vois, c'est la première fois que je nage. Je savais même pas nager là. En fait, Et tu c'est sais trop simple de bien nager. nager, Regarde, t'as mieux que vu? moi. C'est trop Regarde, moi bien, je j'ai suis envie de rester galère. ici toute la nuit, mais bon.
Faut pas qu'ils abusent après mon papa. Je sais pas si je dois. Écoute, c'est quoi? Je vais dire à mon papa si pourquoi il me disait que je pouvais pas aller dans l'eau parce que je comprends pas trop. Oui. Hein. Là, ça se trouve que l'eau t'a soigné en fait. Mais c'est ça. Mais tu sais que t'es trop la best meilleure friend de la vie, un BFF, oui, parce que sais. C'est grâce à toi que tu m'as soigné. Bah oui, moi je t'ai soigné parce que je t'ai dit d'aller dans l'eau et du coup maintenant t'es guérie. Bon, on va rentrer à la maison parce qu'il commence à faire nuit, mon papa il va s'inquiéter. Oui, je suis d'accord, là, trop nuit, là, il fait trop nuit. Mais faut trop qu'on revienne ici, c'est trop bien. Ouais. Ah, c'était trop cool. Allez, viens, on y va. Allez. Ah bah, papa, t'es là ? Ouh, t'es revenu alors comment c'était l'école ? Bah, écoute, c'était très bien, mais il faut que je te dise un truc. En fait, je suis pas allée au cinéma ou au parc cet après-midi. En fait, après l'école, je suis partie à la plage avec Estella. Tu te fous de moi, là, en fait. Là, t'as pas respecté ce que je dis tout à l'heure. T'as même pas écouté. C'est un truc de qui, là, en fait? C'est la vérité vraie et je dois te dire un truc trop bizarre, en fait. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je crois que l'eau, elle m'a soignée parce que je suis allée dans l'eau et j'ai appris à nager très très vite et puis j'arrive à respirer sous l'eau. Ok, bon... Je crois que je vais pas le cacher pendant toute ma vie non plus, je pense que ça fait assez longtemps que je le cache. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu caches? Ta mère, c'est une sirène, c'est ma femme, ma copine d'avant. Et j'ai fait un enfant avec elle, dont bah toi. Bon, voilà pourquoi t'es ici. D'accord, et mais pourquoi je la vois pas alors? Ça, en fait, le problème, c'est que quand t'as eu, on va dire plutôt elle, quand elle l'a eu, moi j'étais pas vraiment au courant, hein. C'est qu'après j'étais au courant et elle m'a appelé et elle m'a dit ouais, en fait elle voulait que je te prenne, tu vis comme un être humain sur terre quoi, et non dans l'eau en fait, elle voulait que tu sois normal et pas comme elle. Parce qu'elle est pas normale, on dirait que t'es en train de me raconter une série Netflix là, je comprends pas trop. Ah, t'es en train de elle me dire normale, ma mère c'est une sirène. Elle est pas débile, juste elle est pas normale, genre elle vit pas sur terre, elle vit dans l'eau. Et du coup, moi je suis quoi? Un vieux ton, une sirène. Et toi, tu es les deux, hein. Tu es une sirène et un humain, quoi. Je veux dire, tu vis sur terre et dans l'eau. Mais moi je veux. Mais comment poisson, je fais pour pouvoir la voir? J'aimerais bien lui parler, moi. Si moi, tu toujours avoir, dit que je pouvais pas la voir, mais maintenant que je sais la vérité, est-ce que je pourrais la voir? Oui, t'inquiète pas, je vais pas t'en empêcher. Donc, je suis pas là pour te rendre malheureuse, je suis là pour te rendre heureux en fait, donc voilà. Donc si tu veux la voir, il faut attendre le jour où il y a la pleine lune, et tu pourrais essayer de la voir dans la grotte de Brookhaven à côté de la plage. Ok, dès qu'il y aura la nuit de pleine lune, j'irai la voir, j'aimerais bien lui parler pour mieux comprendre tout ça, et voilà, mais en tout cas, merci papa de m'avoir dit la vérité, mais j'aurais bien aimé le savoir depuis longtemps, déjà. C'était pour te protéger, donc non, j'ai pas voulu. Et aussi, si tu vois ta mère, tu lui dis qu'elle a des frais à payer, ça serait pas mal, parce que... Hein... La pension alimentaire? Et déjà, ça fait longtemps qu'elle l'a pas payée, et... Même, t'as la moitié avec toi, quand je veux dire avec moi, moi je paye des trucs à toi, et elle, il faut qu'elle paye aussi. Attends, ouais, mais je veux dire, il y a des dollars dans l'eau, les sirènes, elles ont des métiers? Bah oui. Coquillages. Ah ouais? Elles vendent des colliers de coquillages. Oh là là, je vais pas te raconter ce qu'elle fait, Et voilà, moins de 18 ans, d'accord, hein, on va éviter de parler de ça. Ok, voilà. Je vais attendre nuit de pleine lune et puis j'irai la voir. Mais merci papa d'avoir été sincère avec moi. Mais faut plus jamais que tu me casses des trucs, ok? Ok, par contre, sur la table, sans je vais te frapper. Mange non, ta banane. Pas. Ta banane. Et je vais aller dormir, je suis fatiguée. Et je regarde la télé, moi. Ok, regarde pas trop des trucs violents à la télé, hein. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Ok, à demain papa, bonne nuit. Bonne nuit ma chérie, à demain. À demain. C'est bientôt la fin de la pleine lune, faut vite que je me dépêche aller dans la grotte avant que ma mère elle parte. La grotte normalement c'est lampe, je suis sortie en pyjama et tout parce que... J'espère qu'elle est encore là. Vite. La lune, elle est en train de se coucher. Le soleil, il est en train de se lever. Vu qu'il naisse trop vite, ça va, en fait. Ah non, ça va, il y a quelqu'un. J'espère que c'est elle. J'espère que c'est elle. Maman ? Dory ? C'est toi ?
C'est moi, oui, c'est moi, Dory. C'est bien toi, ma maman? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, j'ai découvert que j'étais comme toi. Et du coup, papa, il m'a tout raconté. Il m'a dit que je pouvais te voir ici. Mais pourquoi tu m'as abandonnée, maman? Parce que tu pouvais pas être dans la mer avec moi. Il y a trop de déchets, de pollution. C'est trop dangereux pour une petite sirène comme toi. Mais maintenant que je suis grande, je peux venir avec toi, maman? Maintenant que t'es grande, c'est discutable, c'est possible. Dis-moi ce que je dois faire, et puis... Parce que moi, je veux venir avec toi. Je veux vivre avec toi, je me sens très bien dans l'eau. Je me sens mieux dans l'eau que sur la terre. Faut que tu préviennes ton père, en tout cas, ça c'est sûr. Faut qu'il soit d'accord. Ok. Bah, si je parle avec papa... Et qu'il est d'accord, et pour la prochaine pleine lune, si je viens te retrouver ici, je pourrais partir avec toi? Oui, je t'attendrai. Ok. Bon, ma chérie, c'est la fin de la pleine lune, même si le jour, je dois vraiment y aller. Je t'aime et je vais t'attendre à la prochaine pleine lune. J'ai hâte de te revoir. D'accord, bah je serai là. Je serai là, maman, bon. À la prochaine pleine lune. Je t'attendrai. Content d'y vu maman. Et papa? Coucou, comment ça va? Ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Bah du coup, comme tu m'avais dit que je pouvais revoir ma mère à la pleine lune, et comme il y a eu la pleine lune cette nuit, bah je suis allée la voir, et du coup je lui ai parlé et tout. Elle est super jolie maman quand même. Ça, et... ouais, mais moins belle qu'avant. Mais... Non, en vrai, elle fait jeune. Hein. Mais du coup, en fait, elle m'a dit que je pouvais venir avec elle si je voulais. Parce que moi, je lui ai dit que je me sentais mieux dans l'eau que sur la terre. Et c'est vrai, depuis que je suis allée dans l'eau, et ben, je vois vraiment une grosse différence entre vivre sur terre et vivre dans l'eau. Et ben, maintenant, ça, même si je me sens pas heureuse de vivre sur terre, en fait. Et du coup, bah, j'aimerais bien la rejoindre, mais elle m'a dit qu'il fallait ton accord pour ça. Voilà, et te parler par rapport à ça. Oh. Bon, après, comme je t'ai dit, je suis là pour ton bonheur. Donc, je vais pas t'interdire. Et avoir d'aller vivre avec elle. Donc, je t'autorise. Mais, par contre, tu viens me voir, dire bonjour, ce serait pas mal, des fois. Oui, bien sûr. Je vivrais dans l'eau, mais je pourrais venir sur Terre de temps en temps. Comme ça, je te vois, bien sûr. Moi, tu vois, il t'aime, mon papa, tu vois, et je veux pas non plus ne plus être du tout avec toi, tu vois. Même c'est moi qui t'ai sorti, donc quand même. C'est vrai. Et après, si tu veux passer des vacances avec moi, tu me le dis et y a pas de souci. Hein. Par contre, c'est ta mère qui paye parce que moi je peux pas. Voilà. Je dirais. Ouais. Sans être méchant, mais tu vois, c'est un peu compliqué. Déjà, se payer des vacances tout seul, c'est déjà chaud alors. Après, si tu veux, tu peux venir en vacances dans le fond de la mer. Moi, je t'invite. Ça va aller, bon, je respire pas sous l'eau, je vais mourir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Sauf si tu m'achètes une combinaison, y'a pas de soucis, mais là, c'est chaud là. Je suis encore trop jeune pour mourir. Ok, bah merci beaucoup de comprendre ma situation et tout ça. C'est vraiment contente, je suis contente parce que du coup, je vais pouvoir vous voir tous les deux. Oui, et ouais. Voilà, au moins je veux dire, j'aurais été pareil, donc je sais pas pourquoi j'interdirais quelqu'un de vivre son bonheur, quoi. Merci papa, du coup je vais préparer mes affaires. Vas-y. Et tout à l'heure papa. C'était l'air. Oui. Oh, c'est enfin le jour où il y a ma mère qui va venir et que je vais pouvoir partir avec elle. Oui, c'est le jour J, mais tu vas partir, moi je veux pas que tu partes. Mais je vais revenir hein, des fois, hein. Je pars pas pour toute la vie. Hein. Mais je sais, oui. Tu pars pas pour toute la vie. Mais j'ai peur quand même qu'on se voit plus. Tu sais, il peut tout arriver dans la mer et tout. J'ai trop peur, je t'aime trop. Tu es ma meilleure amie. Mais t'inquiète, de toute façon, s'il y a un requin qui me fait 6, je lui fais un uppercut de mon droit. Je vas rien comprendre. T'inquiète mais pas. Je sais, juste parce que t'es trop forte et que tu vas arriver à battre tous les requins du monde. Mais tu sais, si tu veux, moi dans ma piscine, la piscine qu'il y a dans mon jardin, je peux mettre du sel et tu peux rester chez moi. C'est pareil.
C'est trop drôle, Estella, mais ça sera jamais la même chose que la mer. Regarde comment elle est géante, la mer, par rapport à la piscine. Et il y a plein d'endroits, je pense que je vais pouvoir découvrir. Mais t'inquiète pas, prépare quand même ta piscine. Comme ça, quand je viendrai, tu vois, je viendrai dans ta piscine de temps en temps. C'est pas grave. Je pense pas que je vais aller hyper loin. Je viendrai rendre visite. Et puis, tu sais où me trouver, tu vois. Je viendrai ici pour les nuits de pleine lune. Et je resterai plus longtemps. Je resterai genre une journée de plus. Et on pourra se voir, t'inquiète pas. Mais... Tu vas me manquer aussi. Tu vas me manquer. Alors tu vas me manquer, je t'aime trop. Imagine, tu te fais pêcher. Imagine, tu te fais pêcher. On fait. Elle va pas se faire pêcher, arrête, tais-toi, toi. On sait jamais, on peut la retrouver dans les boîtes de conserve. Ah bah, y a ma maman qui arrive. Regarde comme elle est belle, ma maman. Bonjour, elle est trop belle, ta maman. Ah, Hubert, t'as pas changé. Toi non plus, je crois que t'as vieilli, hein. Ouais, c'est ça. Vous bon, êtes trop belle, madame. Oh, merci, vous aussi. Bon. Et le MDR. Et c'est trop bien. C'est toi. En tout cas, moi, je suis trop contente de pouvoir aller vivre dans l'eau, dans la mer, ça va être trop cool. Si, je suis content. Ouais. On pourra rattraper le temps passé. Exactement, ça va être trop bien. Et en plus, tes pieuvres, elles sont, tes poulpes là, elles sont trop mignonnes. Ouais, mes petites méduses. Je vais les manger. Vous allez passer des bons moments. Ouais, bah t'inquiète pas, Estella, je te rendrai visite. Je te fais un très 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 gros bisou. Mouah. Tu viendras. Bisous. Dès qu'elle viendra, tu viendras avec nous aux vacances. Ça te dit? Oui. Ah, voilà, bah du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pleine lune. Oui, ok, à la prochaine pleine lune. Tous. Bisous. Bon voyage. Ne vous inquiétez pas, je la ramènerai vivante. Oui, il y a intérêt, hein. Je le sais. Les œufs d'acapulco. On y va, maman ? On y va. Au revoir. Ouais.